Bonsoir, bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien, ce petit prince. Je vous retrouve ce soir pour une nouvelle session GTA RP sur la chaîne. J'espère que vous êtes toujours en rendez-vous. Ça fait long, je suis d'accord. Mais bon, j'espère que vous kiffez toujours les aventures de Franck. Pour ma part, je kiffe toujours. J'espère en tout cas aussi que vous, vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Il fait frais, ça s'est rafraîchi. Il fait moins chaud, c'est un peu plus agréable. Donc voilà, on est là, on est présent. Bougez pas, je fais un petit truc rapidement. Hop, hop, voilà, normalement c'est bon. Et ce qui va se passer, c'est que je vais retrouver in-game dès qu'on sera connecté. Voilà, voilà, n'hésitez pas à me faire savoir en commentaire si ça vous a plu, tout ça. Lâchez un like, lâchez un bon petit pouce bleu des familles si vous kiffez toujours. Et je vous retrouve tout de suite avec Franck in-game. Allez, à toutes. À la maison, pas là où je le voudrais, mais on est à la maison. On se met sur la radio et on est bon. 61 pour radio, je suis en ville. On est toujours armé. On a récupéré. Pour radio, Franck, je t'attends là. Et je suis déjà là. Boss pour radio, Pablo Diego. Enfilez vos tenues là de. Enfilez vos tenues de rendez-vous, ok? Parce qu'on a le milieu, il va venir à la maison. Dès que je vous appelle, vous revenez direct, ok? De 61 pour boss, je m'échange aussi. Ouais, évidemment, tout le monde doit se changer. Reçu. On va aller enfiler la petite tenue des familles. Ah! Ah bah, tout est là! Ouais, hermano, donc, je veux que tu me regroupes tous les hommes. Tu tiens prêt, enfin, Diego et Pablo sont partis charbonner. Ouais. Et dès que le milieu il arrive, je veux qu'ils reviennent ici en tenue. Et Bah, je colle tout le monde maintenant, tout le monde à la villa avant qu'ils arrivent, c'est peut-être mieux, non? Non, parce que de toute façon ils sont pas hostiles, mais j'ai des questions à leur poser, ok? Ok, bah écoute, je ferai un call radio un peu avant l'arrivée du milieu, tout faudra que tu me préviennes. Ok, ok. J'ai changé un petit réglage, les gens, j'espère que ça le fait. Nickel. Dès que le milieu ils arrivent, je veux la même tenue que Franck avec les masques pour tout le monde, ok? Et tu leur dis, dès qu'on les call radio, ils arrêtent le braquage et reviennent ici à la villa, okay? Est-ce que tu veux que je fasse un call histoire de mettre tout le monde au clair pour le masque? Pablo? Rangez-vous toi avec Johnny, faites le travail, ok? Eh ben écoute, je fais le call tout de suite et je leur dis de tous vérifier leur masque et qu'ils aient le bon. Ça te va? Mon frère, toi es là? Je t'entends pas. Tu es là? Aïe. Désolé, j'ai un problème de corps vocal. Ah. Ok. Voilà. Du coup, j'ai fait un call radio immédiatement pour remettre tout le monde sur le masque et leur dire de vérifier qu'ils aient le bon. Je sais pas, même pas s'ils sont sur la radio. Donc, ça, faut que tu le dises dès qu'ils arrivent en ville, radio. Je crois même pas qu'ils sont dessus, hermano. Vérifie. Moi je vais le mettre à ma place, bougez pas. 61 pour radio, recensement immédiatement, je veux savoir qui est là.
contacter Pablo et Jérémy là. Pablo et Diego. Le 61 pour boss, je viens d'essayer d'appeler Diego sur son téléphone, il me répond pas et je l'ai SMS. Ouais les gars, y'a un problème. Tenez-vous prêts, tenez-vous disponible en radio, mettez vos tenues de rendez-vous, ok? Faites ce que vous allez faire en braquage, mais vous préparez avec tenue de rendez-vous. Ok, la tenue civile, ok? On a le milieu, il va arriver à la maison, donc quand je vous colle radio, je veux que vous venez ici pour assurer ma sécurité, ok? Ok, donc attends, c'est bon. 261 pour radio, pensez à bien vérifier vos masques. Quand ils arrivent, je vous tiens au courant, vous faites le plus vite possible pour revenir, ok? On est en train de disparaître, quoi? Ouais, j'avais le temps, là. Ok. De 61 pour radio, pensez à tous vérifier que vous avez le bon masque. Johnny, passe pour Johnny, tu me reçois? Ouais, 61 pour 92, enfile ta tenue de rendez-vous et vérifie que tu as le bon masque. Tiens-toi prêt à un call radio, il faudra que tu arrives. Ouais, c'est bon. Okay. Ouais. Merci. Allez. Moto, on a 61 pour boss, tu es où? Boss pour radio, je suis dans le jacuzzi là. C'est celle d'à côté, tu vois. Boss? Ouais, hermano. J'ai 5 minutes, il sort de la tour Eiffel? Ouais, fais ton aller-retour, pas de problème. Ok, à tout de suite. On va courir un petit peu, les gars. On va aller se remettre à la bonne vieille tenue d'été. On va aller vite fait à la Eiffel Tower et on va revenir. On va essayer de voir si on peut faire de la moula. Un petit peu de pognon. Franck était. Nickel. Retirons ça. Ah, merde. Hop, voilà. J'avais oublié un petit détail. On va aller chercher la Gova. Ok, sois la moto, toi, sois la moto. Pour radio, y'a la police, les gars? Non, non, y'a pas les keufs pour l'instant. Ils vont peut-être arriver. Bon.
voiture est propre. On a de l'essence, ça le fait. Allez. Si on va peut-être avoir un petit quelque chose. Oui, c'est perdu. Voilà. Allez, salut. On va se bouger le cul d'entrer à la casa. John. Ok, nous on arrive. John. Il y a le nouveau. Pénard les gars. Oula. On peut envoyer un peu plus, si on n'a pas vraiment le temps les gars. C'est là que notre ami Franck est de retour. Entreville. Entreville.
Belle barbe. Grâce à toi, un playboy là. Salut. Salut, salut. Salut. What? Qu'est-ce que tu as? Ah ben voilà. Oh Diego, c'est toi. Tout va bien? Ouais, ça va bien. Comment ça, tu as mal aux yeux? Tu veux mon doigt dans l'œil? Ça ira mieux. Ouais, c'est parce que attends, on va sortir. John, tu as pris le contact avec Titi Carlito? Ah bah, il dort. C'est toujours pas. What? Patron, tu devrais t'habiller. Il fait frais. Attends, je vais prendre l'air au chicos là. Oui, bah calme-toi quand même. Qui c'est qu'on attend pour le rendez-vous? Le milieu doit venir, on a besoin de savoir s'il y a des changements sur. Tout est beau comme ça. Sur l'exploitation des points. Ok, ok. Ah, voilà. Tout est beau. Il ressemble plus à un boss comme ça. Bah oui. Ah, ah c'est okay. Bon. Toi ça, Franck? Ça va et toi? Il est super mal. Salut. T'es nouveau toi? Si. Tu okay, vas, attends, c'est comment? Ça va, c'est pas la tête, vous ferez une belle ligne derrière moi. Hein, ok. Toi t'es quoi? Tu veux pas quelques hommes pour sécuriser? Non, après on ira dans mon bureau avec les dirigeants. Toi. Ok. Très bien. Et vous, les hommes resteront ici en bas avec nos hommes. Ok, je vais rester là. Ah, ok, pas de problème. Et ce sera whisky pour tout le monde. Quoi? Ok, ça s'est bien passé tout à l'heure. Attendez, j'arrive les gars, je vais faire ça. C'est parfait. Ah bon, tu donnes à tout. Fais vite. Nickel, nickel. Fallait une belle ligne. Vous avez galéré avec les poulets en tout? Non, pas du tout. Nickel. Ok, qui c'est qui est là avec le Uzi là? Miguel. Ok. Donc toi, tu as plus le Cal 50, tu as Uzi maintenant. On attend le retour de 92. Non, je suis là. Ah non, non c'est Diego. Pardon, on c'est 98. On attend Carlito et Titi aussi qui doivent arriver. 98. Ouais. Mon frère, les matricules, ça sert pas à rien. Ah, il y a pas, ça va. Comment, Armano? Oui, ça va, oui. T'as dit quoi, Armano? Les matricules. Ouais, ouais. Ça sert pas à rien. Oui, c'est chiant, je sais. Ça va être compliqué, ça, bordel. Qui m'a salué? Lève les bras. Ah, tout va bien. Ça va et toi? Ça va, ça m'a fait plaisir de te voir. Nickel, moi ça m'a fait toujours plaisir de te voir. C'est quoi baladé? T'es nouveau toi aussi? Oui, moi aussi. Oui. Enchanté. C'est enchanté. Moi, ouais, c'est 0-5. Putain, j'ai tout. Ah ouais, mais moi je suis perdu. Fais-moi Diego. Je peux m'appeler Diego aussi. Moi, ouais, c'est Aaron, tu peux m'appeler Aaron. Moi, je suis. Nouveau. Ça ira très bien comme ça déjà. Je suis le nouveau. Louis le nouveau. On va te trouver un petit matricule, t'en fais pas. Je l'ai, c'est 12. Là, c'est ah, tu es 12 yeah, j'ai choisi ce matin, mais. Parce que attends, je crois que j'ai pas entendu. Viens ici. Non. Non, tu crois que ça va se passer comment? Arrête de bouger là, tout de suite. Il dit quoi? Il a dit quelque chose que je supporte pas. 98, arrête de bouger là. Écartez-vous, s'il vous plaît, en face de moi. Il y a pas la rocade. Après là, je sais pas. J'ai entendu un Frankie qui est sorti, ça me plaît pas. De quoi Francky? J'ai dit Franck. Oh, ben, faut l'arrêter. Ah, Francky. C'est qui Francky? Personne. D'accord. Si tu veux pas des problèmes, évite. Tranquille, Rado, je suis nouveau, je connais pas. Ben, c'est pour ça que je te le dis gentiment. Francky. Francky, Vincent. Pourquoi tu te caches? Pourquoi tu fuis? Tu assumes pas? C'est toi qui viens de dire ça là? T'as dit quoi? Oui, c'est toi que j'ai entendu murmurer des choses. Ok, par contre, Franck, tu te mettras dans la ligne, ok?
Franck, arrêtez vos conneries là. Oui, 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 bien sûr. Ok, Franck. Ouais. Je te laisse régler ça, mon frère. Hein. Je vais passer un coup de fil. Tu bouges pas, tu bouges pas. En face, mets-toi en face. Viens ici là. Oh, viens ici. Si tu veux pas des problèmes. Eh, oui, tu as peur, tu bouges pas là. Oh, c'est nouveau en plus. Eh, le nouveau là. Je t'ai donné un ordre. Il me semble que je t'ai demandé de ne pas bouger. Il ne bouge plus. Il ne bouge plus. Mais ouais, écarte-toi un peu. Merci beaucoup. Écarte-toi un peu. Écarte-toi un peu, Miguel, s'il te plaît. Il a écrit, Francky sur la terrasse de la ville. Adieu. Tout dégage. Je t'avais prévenu, je t'ai dit si tu veux pas des problèmes, évite. Je t'avais prévenu, je te l'ai dit. Tu peux pas dire le contraire. Le nouveau. C'est Francky. Non, ici. Pardon ? Quelqu'un d'autre ? Volontaire ? Foute la cachette. Ok, foute la cachette. Ok. Quelqu'un d'autre ? J'attends. Bien, j'aime mieux ça. Qui a osé? Je veux pas mon cave. Moi non plus. Pas. C'est le mec avec les Uzi derrière. Mais non, il ment, c'est le mec qui l'a mis. Ok. Ok. Bah, c'est parti, les gars, regardez. On fait sérieux. Ok, ils vont pas tarder à arriver, comme ça ils vont se carrer et après on va aller voir à l'agence qu'on doit renouveler le contrat de la map, ok? C'est bon, les gars, on va maintenant. Ouais, ouais, c'est bon. Par contre, l'autre nouveau, il n'y a pas effacé, qu'est-ce qu'il fait par terre, les gars. Je l'effacerai avec sa tête, t'inquiète pas. Il est effacé. Okay. Bah non. Il y a 18 qui arrivent. Parfait. Il est sur la radio? Je sais pas, je pense qu'il va bientôt s'y connecter. Je vais voir avec lui sur mon téléphone. On a le temps, il vient à 20. Ah ouais, non. En tout cas, on a rendez-vous avec la Légion à 20h30. Ok, donc c'est parfait. Ah, donc, bon, le milieu, il va arriver avant. Comme ça, on enchaîne les deux rendez-vous, après on est tranquille. Ils vont venir ici? Non, le milieu, il vient ici, il connaît la position, mais la Légion, non, on va donner une position à la Légion, ok? Et la Légion, elle est quoi? Elle est marquée gaz? À la Légion, ils ne me connaissent pas sous l'identité de Grotogne, donc on va leur donner une position, on fera la sécurisation du périmètre, et pour le moment, je crois que je vais pas encore donner ma véritable identité. Jamais donner la vraie identité. Il y a besoin d'avoir une arme? T'as tout compris. Toi, pas pour le moment. Là, devant la Légion, je veux personne armé. Devant le milieu, je veux personne armé, c'est pas nécessaire. C'est qui ça? Ça doit être eux. Arrive ton sac. Ok, quelqu'un pourrait le rouvrir. Quelqu'un pourrait le rouvrir. Un seul. Non, enlève ton sac. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Le milieu, si je présume. Je vous en prie. Ouais, le milieu. On peut rentrer, c'est bon? Allez-y, je vous en prie. Super. Ok, rentrez, les gars. Pablo et Franck, vous repositionnez dans la ligne dès que vous revenez à côté de moi, ok? Mon frère, c'est pour toi, ça, amigo. Tout le monde la ferme, s'il vous plaît. Bonsoir, mes amis, ça va très bien vous-même. Heureux de vous recevoir à mon humble demeure. Ça se passe, on travaille plus que jamais. Ah, oh, c'est cool. Il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment. Ouais, parce que franchement, pour moi, il y a énormément de choses qui se passent. Alors, je me disais, on n'a pas eu le temps pour le moment de venir trop sur le
point de l'Opium parce qu'on a énormément bossé sur le point de la Mède. Et justement, il y a des rumeurs qui se disent sur ce point-là concernant votre activité. Ouais. En fait, alors, je t'explique un petit peu. Voilà. Alors, tu sais qu'il y a des missions Black Market en cours en ce moment. Ouais, ouais, j'en ai entendu parler. Donc, bon, il y a la Delta qui ont fait un peu les shows et qu'on a dû calmer. Je sais pas si t'as vu les photos sur Instagram. Ouais, si, j'ai suivi ça. Donc voilà, la Légion, pareil, en fait, la Légion, leur mission, je suppose que c'est de revendiquer l'opium ou en tout cas de nous emmerder sur l'opium. Ah, c'est ça, ça va de là. Et c'est ça. Un guise rush, comme on dit dans votre langue. Donc, c'est ça. On les a soulevés une fois, ils étaient devant chez nous dans les montagnes, ils ont rafalé, on les a soulevés. On a mis la photo Insta, ils ont chopé un de nos gars qui était tout seul, tu vois, sur la route. Vous parlez de la Légion, là ? La Légion, ouais. Ouais. Qui rejoignait un convoi, ils l'ont chopé, ils l'ont fait faire une vidéo, mais pour moi, elle est pas légitime, parce qu'en soi, ils ont juste chopé un gars tout seul, tu vois, et voilà. Okay. Et voilà, après nous, oui, avec ce qui se passe, tu te doutes qu'on peut pas se laisser faire. Et c'est clair. On va prendre la Mède de force. Que ce soit la Légion, les Bleus qui travaillent pour eux ou n'importe qui d'autre qui travaille dessus, s'ils sont pas contents. Voilà. Ok. J'ai entendu aussi hier, j'ai des hommes à moi qui ont eu des petits problèmes en ville avec un groupe habillé en vert qui se revendiquait comme la Irish Mob. Cherchait des Mexicains en ville. Et je crois que ces deux gars ils sont d'origine mexicaine. Alors, okay. Ça a porté des confusions. Je sais pas s'ils cherchent un groupe en particulier, mais je connais un groupe justement qui est composé de Mexicains que j'ai rencontré personnellement. Donc je vais demander si vous avez des informations à ce sujet. Nous, on les a jamais rencontrés. Par contre, les Irish, effectivement, j'ai plein d'infos. Ils vont soulever ce groupe et donc les informations étaient correctes. Ok, c'est ça. Ok. Mais je te dis, c'est l'émission Black Market. Je crois que le but c'est de remonter tout le monde les uns contre les autres. Et voilà. Ouais, je comprends, c'est pour créer un peu la confusion. Ok. Dans tous les cas, donc on va dire pour le moment, il n'y a rien de changé à proprement dit pour se méfier des informations qui circulent en ce moment. En fait, là, enfin, vous, sur l'opium, si vous allez sur l'opium, il y a juste la Légion qui sont un peu relou, la Delta qui traîne un peu. Ouais. Okay. Et nous, pour l'instant, l'opium, on doit répliquer plus fort que simplement défendre, on va reprendre la Mette. Donc l'opium, on le met un peu de côté pour le moment. Mais et vous comptez revendiquer réellement la Mette, alors, si je veux dire. Oui, on va revendiquer la Mette. Et... Parfait. Et voilà. Parfait, c'est une bonne chose à savoir ça, parce que la Mette, c'est vrai que c'est un point où pour le moment on travaille pas mal, alors c'est clair que c'est mieux d'avoir des informations. T'es bien avec la Légion, toi ? Ouais, on a un excellent rapport. D'ailleurs, je ne vous cache pas, j'ai bientôt rendez-vous prévu avec eux, là, et on n'est ni bien ni mal, mais ils ne me connaissent pas sous ma vraie identité. D'accord ? Pour ça, je compte sur votre discrétion, je ne me suis pas dévoilé auprès de ce groupe. Je pense avoir encore affaire un petit groupe illégal. Ouais, je comprends. Ouais, pour le moment, C'est ça, je préfère continuer à faire travailler mes gars dans la plus grande discrétion sur ces points. Je comprends complètement. J'ai peur qu'ils changent les accords. Donc je crois que pour le moment, il est préférable que les choses ne changent pas. Donc au prochain rendez-vous, je vais demander à mes gars. C'est qui t'as rendez-vous quand avec eux ? C'est 18. Je crois qu'il y a moyen qu'on. Contre l'argent, qu'on fasse un petit guet-apens ou pas ? Ça dépend, faut qu'on en discute. Attends, je vais t'inviter dans mon bureau, on va discuter de ça tranquillement. Je vais faire connaissance les dirigeants avec gars, toi et faites les autres, il y a le whisky à volonté et la piscine est ouverte, donc profitez-en. Je peux bien faire connaissance. Ouais, je suis un gars. Salut, amigo. C'est qui on a chopé sur la Mette il y a pas longtemps là ? Ça va, monsieur ? Ça va et vous ? Vous avez glissé ? Ouais. Ok, Frank, tu peux me rejoindre dans le bureau. Je suis déjà là. Ça va, t'as plus de problème avec tout ce qui est Yakuza, etc. Non, on a soulevé un ou deux, et du coup, je sais même pas si... Moi, je les vois pas, c'est les fantômes. Je sais même pas si, franchement, ils étaient vraiment à l'origine de... Ouais, du problème. Je crois que c'était un petit manin qui s'amusait, là, tu vois. Elle est immense la maison. Ça change de.
Vous étiez avec Anthony, je disais, elle est immense la maison, ça change. Ouais, ouais, c'est un labyrinthe, je te l'avoue. Il m'a fallu un peu de temps pour m'y habituer. Maintenant, je suis comme un poisson dans l'eau. Je vous en prie, monsieur, rentrez, c'est mon bureau. Ok, sois plus précis dans les propositions que tu me fais là. Qu'est-ce que je peux gagner moi concrètement si on s'arrange? Oh merde, excuse-moi. Ce qu'on peut. En fait, je t'explique. Moi, la maison, il faut que je soulève et que je soulève vraiment bien. J'ai un mec en rouge. Parce que c'est une question de fierté et je peux aussi vous les données. Je te fais confiance par rapport à ça. Dis-moi tout de suite. C'est notre mission, on doit les soulever, on doit revendiquer la mettre et... Attends. En fait notre mission c'était pas ça, la première, on a reçu la première mission, la deuxième c'était d'empêcher les Lyonnais de faire des braquages et des cambriolages. On s'en charge, Le problème c'est que les Lyonnais, il y en a un qui vient avec moi, mais du coup, ce qui se passe c'est que la mission a changé et maintenant c'est de revendiquer la mettre. Mais sauf qu'on était déjà dans l'objectif de le faire avant même de... avoir cette mission, donc on va continuer à le faire, ça nous arrange. Mais le problème c'est que la Légion, je sais pas où ils habitent. Mm-hmm. Ils connaissent leur ancienne maison parce que bah c'est comme je te l'avais dit, c'est nous qui l'avions racheté. Uh-huh. Mais je sais pas où ils habitent. Donc j'essaie de trouver cette info. Mais au-delà de ça, moi je vais être franc avec toi, j'avais vu avec les Verts, la cité Emerald, ils sont en bon contact avec eux aussi, pour organiser un rendez-vous guet-apens. Mais moi je préfère donner de l'argent ou des armes ou quelque chose à vous. Vert, parce qu'on est en meilleur terme et les Verts, je t'avoue, je sais pas 100% comment ça me et en gros, moi ce que je voulais faire c'était avec les Verts, c'était en gros, ils faisaient une réunion dans un endroit, nous on était derrière caché, on sortait, on braquait toute la Légion, on demandait, puis après on faisait nos affaires, les vidéos Insta, les cartes d'identité, parce qu'ils ont pris aussi la carte d'identité de mon gars, ça je suis pas trop content. Et comment tu t'imposerais comme un nouveau propriétaire de la Met? Qu'est-ce qui te garantit que vous y preniez? Je vais les filmer, ils vont finir sur Insta en caleçon en train de chanter que c'est le milieu qui revendique la Met. Ah, intéressant tout ça. Tu crois que ces hommes sont capables de faire face à la Légion? On les a soulevés avant de faire. Ok. Ah, vous les avez déjà déstabilisés? Il y a deux cas de figure possibles. Imaginons que je suis d'accord de rentrer je peux te redonner l'opium et... Voilà, c'est là où je voulais en venir. Exactement, je suis venu ici dans cette optique-là. Dans tous les cas, j'allais te dire, tu vois, au vu des relations qu'on a, nous on va reprendre la mettre, on ne pourra pas gérer deux points. Et je trouve ça légitime que ce soit déjà toi en tant que gros Tony et la crime, parce que tu étais la personne qui travaillait le plus dessus. D'autant plus que maintenant tu as repris la pègre et que la pègre gérait ses points. Tu me fais un grand honneur, mon ami. Tu ne fais que consolider ce que je pense de toi depuis le début. Du coup, alors, effectivement, tu m'enlèves le mot de la bouche, effectivement, que je suis prêt à te suivre. Du coup, ce soir, j'ai rendez-vous avec eux, c'est une question de minutes. Ils m'ont dit entre 20h30 et 21h. Ah, par contre, on n'a pas encore décidé l'endroit, ça veut dire que tu dois tenir prêt tes gars, au tac au tac. On a deux solutions. Ou on fait le rendez-vous, tu leur tends un guet-apens, je t'appelle le rendez-vous. Ou tu les prends en filature. Et tu essayes de mettre la main sur leur position discrètement. Alors je sais pas comment tu envisages la chose la plus c'est où ils habitent, la plus payante. Non, je sais pas où ils habitent. Et on prend toujours des rendez-vous à l'extérieur. En extérieur, sinon je te donnerai sa position. Mais en tout cas ce soir, c'est clair qu'on aura un rendez-vous avec eux, une position bien définie. C'est pour parler de quoi, tu sais ou pas? Renouvellement du contrat de maître. Ok, super. Donc ce sera la Légion et pas les Bleus. Ah, ça sera la Légion, effectivement. C'est toujours avec eux qu'on fait le renouvellement de contrat. Ok, super. Sachant que moi, ils n'ont pas ma véritable identité, je mettrai un leur. C'est-à-dire que je demanderai à un de mes hommes de s'habiller exactement comme moi. Ok. Et ça fera passer pour moi. Pendant ce temps-là, moi, je serai parmi les soldats, d'accord? Et du coup, pour la suite des événements, je vois ta proposition. Comment tu envisages la chose? J'envisage que la MET, on va la prendre, que ce soit par la force ou s'ils abandonnent dessus, tu vois. On la prendra dans tous les cas. On est 20 tous les soirs, ce n'est plus, mais en tout cas, on est sur les points à 20 tous les soirs.
On est très bien armé maintenant et c'est pas un souci. C'est pas un souci s'il faut se battre, on se battra. T'as de grandes chances d'avoir les leaders, je pense, ce soir si on va au rendez-vous. Je pense pas qu'ils vont envoyer. En tout cas, il y aura des hauts gradés, ça c'est clair. Ouais, ouais, t'inquiète pas. Je vais tous les prendre, tous les mettre à genoux dans un hangar et ils vont tous faire un vidéo Insta. Tu as l'identité de. Je les ai pas, mais je les aurai ce soir. Ok, ok, ok. Parfait, voilà. Donc si je te fais confiance par rapport si à ça. Si je résume nos accords, ce soir, je te convie officieusement à notre rendez-vous. Je vais directement voir avec eux maintenant, après notre discussion, un lieu de rendez-vous pour essayer de t'informer le plus tôt possible. En fait, ce qu'on peut faire, c'est que soit en amont, parce qu'en fait, le problème, c'est que si c'est eux qui ont lieu de rendez-vous, qui définissent le lieu, on pourra pas se cacher. En tout cas, ce sera pas possible. Il faudra qu'on débarque. C'est ça. Mais si, habituellement, c'est on le fait à l'observatoire, tu vois. Donc, je sais pas s'ils vont se méfier, s'ils vont demander. Moi, je peux faire semblant de rien. Dans la route en terre ou vraiment sur le parking? Vraiment sur le parking. Ok. Bon, on arrivera par la route parce que entière, si par derrière. Si on propose ça, tu vois, ils vont pas trop s'inquiéter dans le sens où on a déjà fait plusieurs rendez-vous à cet endroit. Ouais, je comprends. Donc je me dis peut-être, ça marchera à moins qu'ils se méfient fortement vu la tournée des choses actuelles. Ils t'ont demandé le rendez-vous quand? Entre 20h30 et 21h. C'est-à-dire. Ils te l'ont demandé aujourd'hui ou? Ah, ils m'ont demandé aujourd'hui. Ok. Et ils sont combien habituellement? Habituellement, moi, je sais rendez-vous. Que tu les vois à 10, pas plus. À moins qu'ils sécurisent le périmètre. En toute discrétion, sinon ils sont 4 ou 5 à venir rendez-vous. Ah, ok. Bon, ça va être facile alors. Ouais, je crois que tu vas te régaler. Non, ouais, ça va être cool. On vous les sert sur un plateau d'argent. Exactement. Comme le circuit d'opium, tu vois. C'est ça. Non. Je vais j'ai pas dit le contraire. C'était tenu une de mes nouvelles recrues là, tu vois. Et au-delà de ça, bon, la Delta, je sais que toi t'as une dent contre eux, je sais pas si t'as vu, ils vont quitter la ville. Ouais, j'ai entendu que ça prêtait à prendre l'avion là, c'est pas c'est prévar. Ils traînent encore. À cause d'eux, j'ai dû cacher ma femme, tu vois, pendant un temps il est caché. Ils traînent encore en ville. Ce qui va se passer, c'est que. En fait, ils veulent nous soulever une dernière fois, tu vois. Moi je pense que le dernier se fera abattre. Sur l'opium, exactement, les derniers seront vraiment à battre au cimetière et il n'y aura pas de. Il n'y aura pas d'avion. Exactement. Oui. J'ai ta parole qu'une fois que tu as mis hors d'état de nuire la Légion, je deviens propriétaire du circuit. De l'opium, exactement. De l'opium, ok, parfait. T'as ma parole et voilà, de toute façon, on ne pourra pas gérer deux points en même temps et ce ne sera pas possible. Donc voilà. Nous sommes d'accord, c'est un réel plaisir de faire des affaires avec toi, mon ami. Pas de soucis. Nickel, bah écoute, voilà, tu me tiens au courant. Attends, on a qu'un Reddit ensemble, c'est ça? Ouais, on a qu'un Reddit. Tu vas en faire un autre? Ouais. Je vous laisse finir vos affaires, je t'attends devant. Vas-y. Je t'écoute, je te laisse décider de. Franck, va chercher un bon verre de whisky là pour notre invité là, il a la gorge sèche. Tu me demandes ça à moi. Vous êtes venu à beaucoup à la vente d'armes. Ouais, ma femme il a fait une petite confusion. Non, mais moi vois. Je trouve que c'est bien en contact. Après c'était un mal pour un bien, au moins on a montré à tout le monde exactement. Qu'on est toujours là. Moi je pensais que c'était exprès, tu vois. Je pensais que t'avais fait exprès.
Et à ta place, ça aurait été pareil parce qu'il y a beaucoup de rumeurs qui tournent sur la PEC. Non, mais là, je crois qu'en tout cas, on entendait bien jaser. Te l'arranger ou ton whisky? T'es gentil. On entendait bien jaser. Va dans la cuisine, va en chercher dans la cuisine. Hein. On entendait bien jaser. Tenez, truc, mais la tenez votre verre de whisky, monsieur. Beaucoup de choses. Merci. Voilà. Je crois qu'il y a moyen de faire du business avec ces gens-là sans qu'ils aient des coronets qui poussent sur dessus du menton. Moi, c'est des gens. Je vais être honnête avec toi. Reçu. Écoutez tout le monde, on va s'arrêter là. Je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Oh, excusez. Allez, c'est parti. Bisous. A plus tout le monde, bisous. A dans une prochaine session.